comme si la terre avait été éventrée. Auparavant, ici, il y avait des terres agricoles. Là, un centre équestre, coupé en deux, sur le point d'être englouti par les flots. Désormais, dans ce cratère, aspiré par la boue, des voitures, des maisons, tout un quartier emporté par un spectaculaire glissement de terrain. Des pans entiers de terre continuent de tomber. Cette route a été emportée, laissant les habitants hébétés au bord du précipice. En cause, un puissant torrent d'eau et de boue qui s'est déversé sur cette commune proche de Cologne. C'est la rivière Erft qui a débordé. Sur cette image, la ville et son cours d'eau avant la crue. Voici à quoi elle ressemble désormais. Par chance, beaucoup d'habitants ont eu le réflexe de quitter leur maison lorsque l'eau a commencé à monter. Quand on a vu notre cave inondée jusqu'en haut et que l'eau arrivait dans notre cour, nous avons décidé de partir, mais on n'a pas eu de consigne. Ma maison est sur une pente, elle est toujours là, donc j'ai eu beaucoup de chance, nous avons été épargnés. Les habitants commencent à revenir et découvrent l'ampleur de la catastrophe. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y a des gens qui sont peut-être morts là-bas, des gens qui vivaient parmi nous, je ne sais pas. Je n'ai pas de mots. Pour l'instant, aucun bilan humain n'a été communiqué, mais plusieurs personnes seraient portées disparues. Les secours continuent de survoler la zone à leur recherche. Assalamu alaykum. La tansaw al-i'jab bil video wal ishtirak fi al-qana. Tashji'an lana linastamirra bi nashr al-mazid insha Allah.